Cervelle avec brutalité, comment pardonner quand l'addition va être payée, elle va être sacrément salée. Quand je repense à mon meurtri, ils ont détruit des villes entières par des poches plastiques. C'est sûr, c'est facile, choisir une solution aisée, c'est ce qu'ils ont fait toutes ces années. Un monde meurtri, détruit par des villes entières, par des poches plastiques, c'est sûr, c'est facile. Je me répète un peu, je suis désolé, j'ai rien écrit sur un bout de papier, ma vie sur freestyle, une babylone, c'est principe de merde. C'est ma cité de surette qui va craquer par ces biais qui mettent en danger. Quand je dis que c'est pas la terre, c'est en danger, mais l'humanité. Je fiche un peu dans vos têtes de piaf qui sait, en province et tête baissée, comme des têtes brûlées, comme des têtes brûlées. Avoir une conscience, se dire avoir une conscience de tout ce qu'ils ont fait. Je me demande comment ils ont certains une conscience, comment ils arrivent à dormir la nuit. Peut être des robots ils doivent leur appuyer sur le bouton dormir. Toi et deux robots pour rien avoir à se reprocher de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont fait. Dire que mon petit frère se fait passer pour Superman en levant ses lunettes, et bien sûr tout ça c'est normal. Et bien sûr tout ça c'est normal, même pas condamné pour les crimes qu'ils font. Bien sûr tout ça c'est normal, ils verront quand un truc nous tombera sur la gueule. C'est ça rendre ma famille biologique. Ça sera ma vraie famille biologique. Ce monde est fêlé, j'suis pas le bon Dieu, mais j'suis un fan tout un D. J'avance tout fadé. Un jour, un aumônier m'a demandé quand je m'appelle. J'ai répondu fadé. Il m'a dit on n'est pas à l'abri d'une croix, tout croyant qu'il est. On n'est pas à l'abri d'une croix, tout croyant comme tel qu'il est. Comme quoi il la connaît, cette histoire du petit Jésus. Son père était bon charpentier. Les coups se pendent avec les têtes, les croix avec. Les lances à plus de maquin, la cage thoracique explosée par un dé. Est-ce que tu crois franchement que Jésus-Christ va revenir à la vie? La cage thoracique explosée par un dé. Par fadé, par fadé. Je pense qu'il va falloir couler quelqu'un sur le croix pour avancer, pour avancer, pour avancer. Je dis des choses malheureux à dire, mais c'est la triste réalité. Ils ont fait des vœux, ils ont jamais respecté ces connards. Ces connards, j'ai jamais été mis ça, les prêtres, les moines, les curés. Jamais ces jamais ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes les pasteurs à la limite, les pasteurs et les aumôniers à la limite, à la limite. Mais bon, j'ai jamais mis ça, c'est pas par hasard. Malgré qu'un curé a dû tu l'as gueulé. Alléluia, pas bien, alléluia, pas bien. Là, je viens de pas, parce qu'au moins, il a dit la triste vérité. Ton Jésus-Christ, il a péri de l'anse d'un dieu. C'est pas par hasard qu'on t'invente des conneries. Quand t'invente des conneries, après le bondé, après les bondés, tu te fais clouer sur une croix. Quand tu fais des conneries, il le paye un jour ou l'autre. C'est pas une question de fric. C'est le cas de dire, c'est le cas de dire. Il y en a certains, vraiment, qui s'achètent une conscience. Qui s'achètent une conscience. Ouais, il y en a certains, vraiment, qui s'achètent une conscience. Ouais, y'en a certains vraiment qui s'achètent une conscience. Et peut-être qu'on pourra avancer tête baissée. Y'en a certains vraiment qui s'achètent une conscience.